Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. C'est un humain qui n'a pas développé, peut-être à cause de son hérédité, peut-être à cause du milieu dans lequel il a grandi, n'a pas développé un monde affectif comme celui que vont développer la plupart des gens. J'ai jamais vu venir toutes les accusations ni les condamnations. On se doutait de rien. On était des enfants de 15 ans à l'époque et on ne voyait rien de particulier. C'est un gars ordinaire qui vivait dans un immeuble à loyer modique. Il peut être le meilleur, comme le pire gars que vous ayez jamais rencontré. Plus il y avait de rebondissements, plus ce qu'on découvrait était étrange. Le 20 mai 2010, à Ottawa, André Leclerc tente sans succès de rejoindre sa mère, Paula, avec laquelle il doit assister aux célébrations de la fête de la Reine. C'était une femme très amicale, une grand-maman de 64 ans, près de sa famille, et le bout en train de son immeuble. Elle s'entendait bien avec tout le monde. L'absence de réponse de Paula est inhabituelle. La semaine suivante, son fils tente de la rejoindre à plusieurs reprises, mais en vain. Le 29 mai, il décide de se rendre chez elle. Il se présente chez sa mère et cogne à la porte, et c'est Camille Cléroux qui lui ouvre et lui dit que sa mère a déménagé, qu'elle a gagné 50 000 $ à la loterie, qu'elle est partie à Disney World en Floride, et qu'à son retour, elle va aller vivre à Gatineau. Alors son fils a trouvé ça étrange. Pourquoi elle aurait gagné au loto et serait partie sans l'avertir? Sans perdre de temps, le fils de Paula Leclerc se rend au poste de police pour rapporter l'étrange situation. Il appréhende le pire. Quelques heures plus tard, des policiers se présentent à l'appartement de sa mère pour questionner l'inconnu qui en a pris possession, Camille Cléroux. L'homme offre toute sa coopération. Il montre aux policiers des lettres signées de la main de Paula Leclerc qui confirment qu'elle lui a cédé son appartement. Mais son récit soulève des doutes. Dans les jours suivants, les autorités découvriront de troublants détails qui lèveront le voile sur la vie secrète de Camille Cléroux. Camille Cléroux provient d'une famille de producteurs maraîchers de la région d'Ottawa. C'est un homme apparemment sans histoire lorsqu'en 1985, il fait la connaissance de Lise Roy. Il a 33 ans, elle en a 22. Deux ans plus tard, en 1987, le couple se marie. Cléroux est déjà le père d'une fillette de 11 ans. Lise connaît le parfait bonheur auprès de son nouvel époux. En 1989, il s'installe dans une habitation à loyer modique au sud d'Ottawa. Il restait de l'autre côté de la rue. Il passait tout le temps dans notre cour. Il savait que mon père avait un jardin et ça l'intéressait. Il s'est présenté à lui et c'est comme ça que je l'ai rencontré.
la famille tisse rapidement des liens avec leurs nouveaux voisins. Je suis allé quelques fois chez lui à l'été 89. On flânait avec sa fille, on s'assoyait dans la cour, on buvait de la limonade. Clérou est un homme très serviable. Il déneige les entrées de garage du voisinage ou offre à ses nouveaux amis des fruits et des légumes provenant de l'entreprise de sa famille. Mon père pensait qu'il était gentil. Il nous donnait des légumes et il souriait toujours. Alors, mon père a conclu que c'était un homme de famille. On s'entendait bien avec lui. Clérou travaille dans un casse-croûte. Et pour arrondir les fins de mois, il commet certains délits. Il a volé des meubles de jardin et il les a vendus à un voisin. Il l'a laissé en profiter quelques jours et puis... Ils ont volé les meubles et ils les ont revendus à quelqu'un d'autre environ 10 maisons plus loin. Puis après, il recommençait. Il met même sur pied un petit système d'escroquerie avec des jeunes du quartier. Il était rusé, il savait comment faire des affaires. Je pense qu'il a floué beaucoup de monde de toutes les façons imaginables. Il était très brillant et il pensait toujours à faire de l'argent. Il avait toujours 10 longueurs d'avance sur les autres. Clérou est ingénieux. Il encourage les adolescents qui l'entourent à voler des objets de valeur qu'il revend à profit. Quand on était adolescents, mes amis et moi, on volait des choses et ils nous les achetaient. Ils nous disaient ce qu'ils voulaient, comme des tondeuses, des tailles-bordures, des meubles de jardin, des trophées, de l'or. On les trouvait et ils nous les achetaient. Il peut y avoir un plaisir qui est retiré dans le fait de tromper l'autre par profit. C'est une personne qui a un mode relationnel basé sur le mépris. Donc, mépris de l'autre, je peux lui vendre, je sais que je vais lui voler, pas de remords par rapport à ça. Il y a vraiment une dimension, même qu'il peut y avoir une espèce de plaisir pervers à faire souffrir l'autre. Malgré son côté arnaqueur, Clérou est apprécié de son entourage. Aux yeux de tous, rien ne semble anormal. Mais l'homme cacherait pourtant un terrible secret. Un soir d'avril 1990, Lise Roy aurait découvert que Clérou avait une attirance pour les enfants et qu'il aurait abusé de sa fille. Il y a un mépris d'autrui de façon générale et une tendance à l'utilisation de l'autre pour son propre profit. C'est ce qu'on retrouve chez les gens qui ont une personnalité antisociale. Et donc, abuser d'un enfant, ben, ça peut entrer dans cette catégorie-là de mépris de l'autre et de l'utilisation de l'autre pour son intérêt personnel. Outrée, Lise aurait dénoncé son mari. Par mesure préventive, la fille de Clérou est retirée de sa famille. La relation du couple se dégrade et leur chicane ne passe pas inaperçue chez leurs voisins. Camille a changé. Il n'était plus le gars qui était arrivé dans le voisinage un an plus tôt. Le 20 avril, une violente dispute aurait éclaté entre Lise Roy et Camille Clérou. Robert et moi, on était assis en arrière du centre communautaire. La maison de Camille, sa cour, est un peu plus à gauche. Et on a entendu une engueulade qui venait de chez lui. Il se chicanait avec sa femme. Le lendemain, Lise disparaît du voisinage et Clérou porte des accusations de voies de fait contre elle. Je l'ai vu le lendemain matin et il m'a dit que Lise l'avait agressé pendant qu'il dormait, qu'il s'était défendu, qu'il avait porté plainte contre elle et qu'on ne la reverrait plus dans le voisinage. Maintenant qu'il se retrouve seul, comment réagira Camille Clérou?
Saura-t-il surmonter cette épreuve? Le 20 avril 1990, après 5 ans de vie commune, Lise Roy aurait découvert l'attirance de son mari, Camille Cléroux, pour les enfants. Elle l'aurait ensuite attaqué durant son sommeil avant de prendre la fuite. Durant les semaines suivantes, les voisins du couple s'interrogent sur l'absence de Lise. Cléroux explique qu'elle aurait quitté Ottawa pour refaire sa vie, mais qu'elle communique à l'occasion avec lui. Des amis et moi, on lui a demandé où elle était. Il nous a dit qu'elle était partie dans l'Ouest. Il y avait des lettres qu'elle avait écrites qui venaient de l'Ouest canadien et une de Montréal. Alors ça confirmait ce qu'il m'avait dit. Le départ précipité de Lise ne semble cependant pas trop affecter le nouveau célibataire. Ça a eu l'air de le soulager. Son visage et ses yeux brillaient. Il était calme. Cléroux se découvre même une nouvelle passion qu'il pratique avec zèle. Je l'ai croisé tôt le matin et il était en train de planter des tomates. Je suis même allé lui donner un coup de main. Il y avait des plants entourés de piquets avec une corde. C'est comme s'il avait ceinturé une portion de la cour où il était interdit d'aller marcher. J'allais piler dessus et il m'a dit de faire attention, de ne pas marcher là parce qu'il avait mis des fertilisants. Malgré son intérêt soutenu pour le jardinage, la solitude commence à rattraper Cléroux. Pour se désennuyer, il invite chez lui les adolescents avec qui il s'était lié pour faire de petits vols. Heureux de déjouer la vigilance des parents, les jeunes profitent du laxisme de Cléroux pour boire de l'alcool et consommer de la drogue chez lui. Beaucoup de monde ne voulait pas qu'on le fréquente parce qu'il était un peu étrange. Les adultes l'avaient remarqué. Mes parents m'avaient dit de me tenir loin de lui. Il nous laissait faire ce qu'on voulait dans sa maison. Alors je me sentais confortable chez lui. Il nous laissait boire et faire la fête, donc j'aimais ça aller là. Je pense qu'il se sentait seul. Ça lui faisait de la compagnie quand on était là. Il avait l'impression de faire partie de la gang. Alors il nous permettait de rester. S'il était triste, il jouait bien la comédie parce que ça paraissait pas. Et s'il était en colère, il cachait très bien. Puis, un à un, les jeunes amis de Cléroux changent de quartier ou arrêtent de le fréquenter. L'homme se retrouve de nouveau abandonné. Cléroux se met alors à la recherche d'une nouvelle compagne avec qui partager sa vie. En 1992, 2 ans après le départ de Lise Roy, il fait la rencontre de Jean Rock, une jeune femme à l'air naïf qui habite son quartier. Jean demeurait sur la rue Hetherington et Camille restait tout près, sur Hetherington Crescent. Camille était le genre de gars qui prenait souvent des marches dans le quartier. Et à ma connaissance, ils se sont rencontrés comme ça. Les gens qui ont une personnalité antisociale vont parfois choisir un partenaire qui va avoir tendance à s'assujettir, donc à entrer dans cette relation d'ascendance-là où souvent c'est l'homme qui va se placer comme dans la position dominante, puis la femme va accepter de se placer dans la position plus d'infériorité. Et c'est possible que lui a eu ces critères-là dans ses choix de partenaire. C'est sûr que ça le met moins en danger de se faire... d'avoir une femme qui est inquisitrice, qui pose des questions, ou de se faire remettre en question. À 21 ans, Jean est déjà mariée et mère de 2 jeunes enfants dont elle a perdu la garde. Elle fait partie du programme ontarien de supervision des personnes avec handicap.
Jean? L'âge mental de Jean était probablement inférieur à son âge réel. Il y a beaucoup de choses qu'elle ne comprenait pas, qu'il fallait lui expliquer. Par exemple, elle n'a pas été capable de s'attacher à ses enfants à leur naissance. Malgré tout, c'est une jeune femme enjouée et pleine de bonne volonté. Jean se souciait beaucoup des autres. Elle aurait été prête à donner sa chemise. Elle aimait faire à manger et elle cuisinait pour tout le monde. Je me souviens d'une fois où il y avait une vente chez un concessionnaire automobile, puis elle avait préparé toutes sortes de desserts qu'elle était allée vendre. Elle adorait ça. C'était facile de s'entendre avec elle, mais elle avait une double personnalité. Il fallait bien la connaître. Ça lui arrivait d'être irrationnelle et impulsive dans ses décisions. Le mariage de Jean bat de l'aile. Elle trouve son mari trop contrôlant et n'hésite pas à se réfugier chez Clérou. Son mari lui disait quoi faire. Et Jean n'aimait pas ça. Mais Camille lui disait pas quoi faire. Jean et lui vivaient leur vie. Et c'est probablement pourquoi ils s'entendaient si bien. Clérou pense enfin avoir trouvé la femme parfaite. Jean ne pose pas beaucoup de questions et ignore tout du passé de son nouvel amoureux. Chez cette personne-là, c'est possible que s'il y a absence de remords, il n'y a pas une attitude qui va porter à la suspicion. Et à ce moment-là, faire ce qu'il y a à faire va dire que va pouvoir mentir dans le visage de quelqu'un sans ressentir d'émotions particulières. Puis à ce moment-là, l'autre personne va interpréter qu'il n'y a pas de suspicion à avoir. Jean se plaît énormément chez Clérou. Peu de temps après leur première rencontre, elle décide de quitter son mari et déménage chez lui. Le couple vit alors des moments de parfaite quiétude. 2 ans après leur première rencontre, Jean tombe enceinte. Il y a plusieurs raisons qui peuvent faire qu'il est en relation. Pourquoi il a fait des enfants? Est-ce que c'était vraiment une décision de faire des enfants ou est-ce que c'est simplement arrivé? Certains peuvent avoir des enfants aussi pour se retrouver encore dans une position de dominance qui est amplifiée, ne serait-ce que par le rôle du père puis par la fragilité de l'enfant. Mais le 23 décembre 1994, dès la naissance de l'enfant, Jean s'en voit retirer la garde. Jean était assujettie à un jugement de la province de l'Ontario, en vertu duquel, advenant qu'elle ait d'autres enfants, il devrait être pris en charge par l'État. Durant les années suivantes, le couple commence une vie de nomade et se rend souvent chez différentes connaissances. Jean et Camille ont changé plusieurs fois d'adresse dans le secteur ouest d'Ottawa, où Jean a été élevée. À chaque 6 mois ou 1 an, ils déménageaient dans un nouveau secteur, puis retournaient ensuite dans leur ancien quartier, et ainsi de suite. Vers la fin des années 90, le couple finit par s'établir à l'est d'Ottawa. Clérou et Jean vivent au jour le jour, affectionnant particulièrement les promenades dans la nature. Ils avaient le même tempérament. Ils parlaient tous les deux fort, puis c'était normal pour eux de parler fort. Quand ils étaient en visite, ils partaient sans préavis. Ils se levaient d'un coup, puis s'en allaient. Mais en 2003, après 11 ans de vie commune, la relation du couple commence à se dégrader et peu à peu, Jean se détache de Clérou. De ce que je comprends, Jean avait décidé de s'inscrire à un cours de cuisine parce qu'elle aimait faire à manger. Et elle avait dit qu'elle était prête à laisser Camille et à mettre fin à leur relation. Je pense qu'elle avait enfin réalisé que c'était mieux pour elle. Jean aurait quitté Clérou pour aller vivre chez des amis à Cobourg, une ville située près de Toronto. Du jour au lendemain, Camille Clérou se retrouve de nouveau seule. Comment réagira-t-il à cette deuxième séparation?
En 1990, Lise Roy, la femme de Camille Cléroux, disparaît sans laisser d'adresse. 13 ans plus tard, Jean Rock, sa deuxième conjointe, s'exile à son tour. Jean abandonne sa famille, mais reste régulièrement en contact avec Cléroux. Par son intermédiaire, elle fait parvenir des lettres à ses parents. La jeune femme paraît s'épanouir plus que jamais. On avait toujours espéré que Jean se décide enfin à changer et qu'elle prenne les moyens pour s'offrir une meilleure vie sans qu'on ait à intervenir. C'est ce qu'on souhaitait et c'est ce qui était exprimé dans les lettres. Et Jean avait demandé de ne plus avoir de contact avec sa mère, donc les lettres étaient envoyées à son père. Le rêve de Jean se réalisait dans ces lettres. Et on se disait simplement, « Merci, mon Dieu, ça arrive enfin. » La vie sociale de Cléroux se résume maintenant à la seule compagnie de ses collègues et des clients de la cantine où il travaille. Il disait que sa famille ne l'aimait pas, ne l'acceptait pas. Je lui demandais pourquoi, mais il ne le savait pas. Il avait l'air triste. Cléroux est apprécié de ses collègues, qui le reconnaissent comme un bon travailleur. On faisait une bonne équipe. On était efficace et on ne perdait pas de temps. C'est ce que j'aimais. Il était intelligent et je n'avais pas à lui dire quoi faire. Il connaissait son travail. Je pense que c'était un homme triste. Et par triste, je veux dire que rien ne fonctionnait pour lui dans sa vie. Il était cuisinier dans un petit restaurant. Il n'avait pas vraiment de famille ou d'amis autres que les femmes qu'il essayait de séduire. Au cours de l'hiver 2010, Cléroux fait la connaissance d'une de ses voisines, Paula Leclerc, une femme de nature généreuse et confiante. Avec les femmes, il jouait la carte du gars mystérieux pour essayer de les attirer. Il était un beau parleur, charmeur, et leur disait tout ce qu'elles voulaient entendre. Cléroux propose souvent à Paula d'aller faire des promenades. Et la sexagénaire accepte avec joie de se laisser distraire. Chez les personnes alternes sociales, il y a souvent une dimension de séduction. Mais il faut se souvenir que dans leur façon à eux de vivre leur relation, c'est qu'il y a toujours quelque chose d'utilitaire. S'ils sont gentils avec les gens, c'est parce que ça leur rapporte quelque chose. Au mois de mars, Cléroux avise les propriétaires de l'immeuble où il habite qu'il ne renouvellera pas le bail de son appartement. Il n'a cependant encore rien loué et risque de se retrouver à la rue. Au lieu d'entreprendre des recherches, Cléroux sollicite la compassion de sa nouvelle amie, Paula Leclerc, afin qu'elle l'accueille chez elle. La femme n'est cependant pas prête à le loger et décline poliment sa demande. Cléroux accepte mal ce refus. Ce sont des gens qui sont impulsifs et qui sont égocentriques, donc centrés sur eux. Tout doit aller dans le sens de leur intérêt. Si quelque chose vient se mettre à l'encontre de leur intérêt, ça génère une frustration. On n'a pas les mécanismes pour gérer cette frustration-là. Vouloir communiquer, trouver un compromis, on n'est pas du tout là-dedans. Ils vont agir plutôt leur frustration. Camille Cléroux décide de prendre possession de l'appartement de Paula Leclerc coûte que coûte et élabore un plan pour y parvenir. On est en présence d'une personne qui n'est pas en mesure de gérer cette frustration-là. Donc, va agir pour faire diminuer sa frustration. Et comme il n'y a pas intégration d'un système de valeurs, de moralité, de bon, mal, ben le meurtre fait partie des solutions possibles pour faire diminuer la frustration. Le 19 mai 2010, Cléroux met son plan à exécution. Il se rend dans le boisé situé à l'arrière de l'immeuble où il habite
et y creuse le trou qui deviendra la tombe de sa voisine. Le lendemain, à la tombée du jour, il invite une fois de plus Paula à aller faire une promenade. Clérou l'amène à l'abri des regards. Il sort alors un couteau de sa poche et contraint Paula à se diriger vers l'emplacement du trou où il compte cacher son corps. Il la poignarde à plusieurs reprises dans le dos. Paula s'effondre, probablement atteinte mortellement. Mais Clérou ne s'arrête pas là. Pour être certain qu'elle soit bien morte, il saisit une pierre et lui frappe la tête avant de la faire rouler dans sa tombe. Malgré l'atrocité du meurtre qu'il vient de commettre, Clérou parvient à aller travailler le matin suivant. Il était détendu, mais il m'a dit qu'il était fatigué. Je lui ai demandé pourquoi, il m'a répondu qu'il venait d'enterrer un chien. Il avait les yeux rougis, comme s'il n'avait pas dormi. Il n'avait pas l'air normal ce jour-là, et je me suis dit que quelque chose n'allait pas. Pour s'assurer de vivre en paix, Clérou fait rédiger une lettre signée Paula Leclerc, annonçant aux administrateurs de l'immeuble qu'elle lui a cédé son appartement. C'était vraiment très étrange de penser qu'il s'en tirerait sans se faire prendre. Peut-être qu'il ignorait qu'elle avait un enfant qui s'inquiéterait de la disparition de sa mère. C'était des circonstances très particulières. 9 jours après avoir tué Paula Leclerc pour prendre possession de son appartement, Camille Clérou reçoit la visite du fils de sa victime. Ce dernier informe aussitôt les autorités. Sauront-elles faire la lumière sur la disparition de Paula Leclerc? Le 29 mai 2010, des enquêteurs de la police d'Ottawa interrogent Camille Clérou. L'homme a pris possession de l'appartement de sa voisine, Paula Leclerc, qu'il a tué 9 jours plus tôt. Pour dissiper les doutes des enquêteurs, Clérou collabore avec eux. Mais ils interrogent également les voisins de Paula, qui leur révèlent avoir vu Clérou jetant aux ordures les effets personnels de la femme. En enquêtant, les policiers ont facilement réfuté tous les mensonges que Camille Clérou leur avait racontés. En fait, elle n'avait jamais gagné à la loterie et elle n'était pas partie en Floride. 3 jours plus tard, le 1er juin, les autorités n'ont toujours pas de piste menant à Paula Leclerc. Mais la chance leur sourit. Camille Clérou se présente de lui-même au centre de détention régionale d'Ottawa. Les enquêteurs en profitent pour lui faire passer un interrogatoire en règle. Ils le confrontent sur les fausses informations qu'il leur a fournies. Après 14 heures de travail acharné, l'enquêteur obtient des aveux. Clérou admet avoir tué Paula Leclerc. Il est aussitôt mis en état d'arrestation. Détaché et insensible, Clérou ne semble pas mesurer la gravité du geste qu'il a posé. Ces personnes-là, souvent, ressemblent pas grand-chose, puis ils peuvent même vivre du fait qu'ils reçoivent pas les rétroactions qu'on reçoit de par nos relations interpersonnelles. Si je fais plaisir à quelqu'un, ça me fait du bien, je me sens bien, on est content, on partage notre bonheur, c'est le fun. Chez cette personne-là, il y a pas cette dimension-là. Le lendemain de ses aveux, Clérou montre aux enquêteurs l'endroit où il a enterré Paula Leclerc. Le meurtre de la femme fait un véritable battage médiatique. Le nom de Clérou circule partout et remémore des souvenirs aux parents de sa deuxième conjointe, Jean Rock, disparue depuis 2003. Sa mère se présente alors à un poste de police. Elle est allée voir les policiers pour leur dire qu'elle n'avait pas parlé à sa fille depuis plusieurs années. Alors elle s'est mise à sa recherche et les policiers aussi.
mais ils ne l'ont pas trouvé. Les policiers remarquent que sa première femme, Lise Roy, est également disparue. Ils demandent alors l'aide du public. Je me rendais au travail en voiture quand j'ai entendu la nouvelle à la radio. Quand ils ont dit qu'ils étaient à la recherche d'informations sur les disparitions de Lise Roy et Gene Rock, j'ai presque eu un accident. J'ai fait demi-tour, je suis allé acheter le journal au dépanneur et j'ai vu sa photo. J'en revenais pas. J'ai appelé la police et ils m'ont interrogé. Grâce aux aveux de Cléroux et aux témoignages de gens qui l'ont connu, les enquêteurs parviennent à brosser un portrait des circonstances entourant les disparitions de Lise Roy et de Gene Rock. En 1990, après 5 ans de vie commune, Lise Roy aurait découvert que Cléroux abusait de sa fille. Terrifiée, elle l'aurait dénoncé. Probablement que cet homme-là ne se sent pas menacé. Il va plutôt être frustré quand les êtres qu'il peut considérer comme inférieurs veulent enfreindre son accomplissement de son désir. Cléroux n'envisage qu'une seule option, faire disparaître Lise Roy. Alors que Lise s'occupe des tâches ménagères, Cléroux en profite pour s'approcher d'elle avec une roche. Il tente de la frapper à la tête, mais Lise parvient à se défendre. Cléroux réussit à la faire trébucher et la frappe à plusieurs reprises. On a entendu comme un cri de mort. Je l'entends encore aujourd'hui. Joe et moi, on s'est regardés. Et au bout de quelques minutes, on a décidé d'aller voir ce qui se passait. On a cogné pendant 2 ou 3 minutes, puis on a frappé dans la porte arrière de la maison. Il est finalement venu répondre et nous a dit que c'était pas un bon moment. Deux semaines après avoir tué Lise Roy, Cléroux commence à jardiner. Mais cette nouvelle passion n'est qu'un prétexte pour camoufler le corps de sa femme. La cour avait été transformée en jardin. Et si je me souviens bien, il y avait ajouté de la terre. Ça ressemblait à un monticule au baseball. Je pensais jamais qu'il puisse y avoir quelque chose en dessous. Je l'ai juste aidé à creuser un trou, à mettre un plant de tomates. J'ai jamais pensé un seul instant qu'il pouvait y avoir un corps enterré là. Cléroux est un habile manipulateur. En prétendant recevoir des lettres de Lise Roy, il a dissipé les doutes de ses voisins sur la disparition soudaine de sa femme. Et en portant de fausses accusations de voies de fait, il est parvenu à faire croire à des policiers aguerris qu'elle avait pris la fuite. Je crois qu'il aurait pu y avoir une enquête plus poussée lors de la disparition de Lise Roy. Il y avait assez de preuves pour enquêter davantage. Mais la police d'Ottawa a simplement acheté la version de Cléroux qui prétendait s'être fait battre par sa femme qui aurait ensuite pris la fuite. Et la police a émis un mandat d'arrestation contre elle. De ce que je sais, ça s'est arrêté là. Est-ce que c'est allé plus loin? On dirait bien que non. Les déclarations de Cléroux glacent le sang des enquêteurs qui l'interrogent. Mais il n'est pourtant rendu qu'à la moitié de son récit. Quel horrible sort a-t-il réservé à sa deuxième femme, Gene Rock? Le 1er juin 2010, Camille Cléroux admet avoir tué Paula Leclerc pour prendre possession de son appartement. Quelques jours plus tard, il avoue aux enquêteurs avoir tué Lise Roy en 1990.
les enquêteurs font face à un terrible tueur en série. Clérou raconte ensuite avec détail comment, 13 ans après avoir éliminé sa première femme, il a réservé le même sort à Jean Rock. En 2003, Jean Rock annonce à Clérou son intention de le quitter après 11 ans de vie commune. Incapable d'accepter la rupture, il décide de la tuer. Il planifie son geste à l'avance et commence par creuser un trou dans le boisé situé à l'arrière de chez lui. Clérou convainc ensuite Jean de faire une dernière promenade avec lui, en souvenir des bons moments passés ensemble. Elle accepte. Alors qu'elle lui fait dos, Clérou s'empare d'une roche et la frappe à la tête. Il pousse son corps dans le trou qu'il a préparé avant de l'ensevelir. C'est le train-train quotidien, c'est-à-dire que c'est pas une personne qui va se questionner à savoir est-ce que ce que je viens de faire, c'est correct ou c'est pas correct. Non, c'est sûr que c'est correct parce que ça va dans le sens de son intérêt. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut juste gérer les dommages collatéraux. Pour ne pas éveiller les doutes sur sa disparition, Clérou use du même stratagème qu'il avait utilisé après avoir tué Lise Roy. Il prétend être toujours en contact avec Jean. Je pense que j'ai seulement vu une lettre. Et oui, ça ressemblait à l'écriture de Jean. Comment il a fait, je sais pas. Mais il y a quelqu'un qui a réussi à écrire une lettre exactement comme elle l'aurait fait. Clérou fait rédiger les lettres en échange de quelques dollars. La femme qui écrivait les lettres en prétendant être Jean Rock était naïve. Elle n'a jamais réalisé que Clérou avait commis des crimes. Clérou lui avait expliqué que Jean Rock voulait couper les ponts avec sa famille, mais que ses proches méritaient de savoir comment elle allait, ce qu'elle faisait. Elle avait tendance à disparaître. Parfois, ça durait une semaine, d'autres fois, c'était un mois. C'était le mystère de Jean. Durant les années suivant le meurtre de sa deuxième femme, Clérou continue de lui inventer une fausse vie, entretenant ainsi le rêve de la famille de Jean de la voir s'épanouir. Suite aux aveux de Clérou, les policiers cherchent à retrouver les corps de Lise Roy et de Jean Rock. L'enquêteur est allé rendre visite à Clérou en prison et lui a demandé ce qu'il voulait. Et Camille a dit un hamburger. Alors l'enquêteur lui en a apporté un. Camille a ensuite accepté de montrer où il avait enterré les corps. Après le meurtre de Jean Rock, Clérou avait commencé à craindre la découverte de son corps. Apparemment, à l'endroit où il l'avait enterré la première fois, il y avait un projet en construction. Il avait peur que pendant les travaux d'excavation, on trouve des ossements humains. Il a donc lui-même déterré les restes pour les enterrer ailleurs. De toute évidence, il est retourné sur les lieux plusieurs fois. Et il aurait aperçu des chiens qui creusaient des trous. Il a donc cru nécessaire de les déplacer encore. Clérou avait alors décidé de se débarrasser pour de bon des restes de Jean Rock. On croit qu'il a alors déterré le torse, une partie d'une jambe et le crâne de Jean, parce que c'est ce qui a été retrouvé. Il a mis les ossements dans un sac qu'il a jeté dans le canal Rideau. Mais Clérou tient à garder une dernière information pour lui seul. Il refuse catégoriquement d'indiquer l'endroit où il a enterré Lise Roy. Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles cette personne-là choisit de ne pas dévoiler certains détails. Il peut y avoir une notion de contrôle. Donc,
je t'en donne un peu, mais je te donne pas tout. C'est moi qui reste en contrôle. Je domine notre relation. Ou encore, il peut y avoir aussi une façon de garder l'intérêt vers lui. Donc, je veux qu'on ait encore besoin de moi. Je veux qu'on revienne me voir. Je me donne de l'importance en gardant de l'information. Puis, j'aime voir les gens se démener puis essayer de l'obtenir, cette information-là. Il peut y avoir un plaisir pervers à voir les gens essayer d'obtenir l'information. Il y a peut-être même quelque chose de jouissif là-dedans pour lui. Là. Au mois de mars 2011, l'enquête préliminaire de Camille Cléroux s'ouvre au palais de justice d'Ottawa. 7 mois plus tard, une nouvelle découverte met un terme au sordide secret du meurtrier. Le 31 octobre, une famille d'Ottawa fait la macabre découverte d'ossements humains dans son jardin. Des expertises confirment qu'il s'agit des restes de Lise Roy. Le 26 juin 2012, Camille Cléroux plaide coupable à un chef d'accusation de meurtre au premier degré sur la personne de Paula Leclerc et à 2 chefs d'accusation de meurtre au deuxième degré en ce qui concerne Lise Roy et Jean Rock. Il est condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération avant 25 ans. Le plus bouleversant pour moi dans toute cette histoire, ça a été de m'asseoir avec la mère de Jean Rock et de sentir son émotion. Elle avait le cœur brisé et sa famille était dévastée. Et de penser que durant des années, son mari recevait des lettres de quelqu'un qu'il pensait être sa fille, cette douleur était insoutenable. En tant que journaliste, on essaie de se dissocier des histoires sur lesquelles on travaille. Mais dans ce cas-ci, je me suis sentie comme si je faisais partie de leur famille. Et écrire sur ce que cette femme devait endurer a été horrible. Je pense qu'il ne réalise pas ce qu'il a fait. Et tant qu'il n'en aura pas pris conscience, il va être un danger pour la société. Il a réussi à tuer 3 femmes, à les enterrer, à déplacer leur corps et à en jeter une dans le canal rideau. Il a tué quelqu'un pour son appartement. C'est un danger pour la société. N'importe qui peut avoir une double personnalité. Et dans mon esprit, Camille Cléroux a une double personnalité, mais il ne sait pas comment vivre avec. Et il n'a pas encore appris à l'accepter. Camille Cléroux a déjoué l'attention des policiers. Il a également réussi à berner Lise Roy, Jean Rock, Paula Leclerc ainsi que leur famille. Ses victimes sont innombrables. Les troubles de la personnalité, c'est quelque chose qui se maintient généralement à travers le temps. Ce trouble-là spécifiquement, les gens ne vont pas souffrir d'avoir cette personnalité-là. Ils ne ressentent pas grand-chose déjà à l'avance. Donc, ils ne vont pas aller chercher de l'aide parce qu'ils ne considèrent pas que c'est eux qui ont un problème. Ils vont considérer généralement que c'est les autres qui ont un problème. L'atrocité des gestes commis par Camille Cléroux en fait une personne extrêmement dangereuse. Combien d'autres meurtres auraient pu commettre cet homme impassible et sans remords s'il n'avait pas été découvert? Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? Personne n'est à l'abri. Scène de crime. Dans un instant, au Vendredi policier.
Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Chaque année, on rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. J'ai demandé qu'est-ce que t'en vas faire là. Elle a dit non, elle a dit m'en va visiter Québec, là, puis probablement je m'en vais me louer un hôtel. Dans la semaine même, elle m'a dit OK, à soir, tu te fais garder, puis moi je me rappelle, ça faisait pas mon affaire. Mais tu sais, je pensais pas que ça finirait comme ça. Mais rendu à 10 heures le soir, j'ai pas eu de nouvelles. Là, moi, je m'inquiète. J'ai parti où? Là, je pose quelques questions. Sa voiture, es-tu encore là? J'entendais parler à la radio ou à la télé qu'il y avait une personne qui avait disparu après une rencontre sur Internet. Puis je me disais, oh là là, qu'est-ce que c'est triste. Et j'ai dit, c'est pas drôle, ça, pour cette famille-là. Le jeudi 17 juillet 2003, à Chambly, Lynn Massicotte, une femme de 43 ans, se prépare à aller à Québec. Elle a rendez-vous avec Alain Perrault, un célibataire de 41 ans, père d'une fillette de 5 ans, avec qui elle entretient des échanges sur Internet depuis 2 mois. Lynn a prévu de faire garder sa fille Catherine par son amie Manon Lessard, qui tente de la dissuader de se rendre chez cet homme. Là, je ne suis pas d'accord. Je trouve que c'est loin, je suis pas d'accord. J'y demande si elle veut que je l'accompagne. On doit s'en aller en vacances bientôt. On prend les deux les mêmes semaines de vacances parce qu'on a prévu d'aller au chalet à Francine, faire des activités ensemble, puis bon. Puis elle décide d'y aller pareil. Mais là, je dis avant de partir, tu vas me laisser les coordonnées. Lynn n'a aucune crainte. Elle rappelle à son amie que plusieurs personnes font connaissance grâce à des sites de rencontres. Mais pour calmer ses inquiétudes, elle accepte de lui laisser le numéro de téléphone d'Alain Perrault. Elle m'avait dit, je pense pas de me ramener, je vais me prendre une chambre d'hôtel, puis je me ramènerai demain matin, mais je t'appelle. Inquiète-toi pas, je t'appelle. C'était l'entente. Lynn ne donnera jamais de nouvelles à son amie, pas plus qu'à sa fille. Elle rêvait d'une fin de semaine idyllique. Elle vivra plutôt un horrible cauchemar qui marquera à jamais le destin de ses proches et celui d'Alain Perrault. Le 17 juillet, vers 10 heures, Lynn Massicotte quitte la maison. Dans le cas où la magie n'opérerait pas avec Alain Perrault, elle a planifié de participer à la fête de la Nouvelle-France, qui a lieu dans le Vieux-Québec cette fin de semaine-là. Elle devait appeler vers 6 heures. Fait que vers 10 heures, elle n'avait pas appelé. Manon, elle a décidé de... Parce qu'elle avait laissé les coordonnées d'Alain Perrault, fait qu'elle a décidé de l'appeler. Puis lui, il a dit, « Oh, t'es allé chercher des cigarettes, elle n'est pas revenue. » Fait qu'en partant, Manon, elle savait tout de suite qu'il y a de quoi qui marchait pas. Elle disait, OK, le gars, il était vraiment pas à son goût, t'sais, il faisait vraiment pas l'affaire, puis qu'elle a juste décidé de partir, qu'elle est en chemin, elle s'en revient. Elle a pas pu appeler. Manon n'est pas rassurée par sa conversation avec Perrault. Les heures passent et Lynn ne donne toujours pas de nouvelles. Manon craint aussitôt le pire et contacte la sœur de son amie, Francine. J'ai appelé Francine. J'ai dit, je pense qu'il est arrivé de quoi de grave à ta sœur. Mais tu sais, j'ai l'air peut-être de paranoïer. Là, je dis, elle était supposée de m'appeler, Francine. Elle était supposée de m'appeler. Il est arrivé quelque chose. Francine contacte les autorités. Mais les policiers ne s'alarment pas. Une adulte n'ayant pas donné de nouvelles depuis moins de 24 heures n'est pas considérée comme disparue. Quand j'ai vu que le dossier était pas sur la tablette du vendredi soir au lundi matin,
Puis il n'y avait personne pour s'occuper de ça. Les deux bras m'ont tombé à terre. Je me suis sentie complètement abandonnée. Ça n'a pas de sens. Soit qu'il était arrivé quelque chose, ou soit que elle avait pogné un accident. Ou, tu sais, quelque chose de grave. Elle était tombée, je sais pas, moi, malade, dans le coma. Et c'est sûr qu'il y avait quelque chose. Au cours de la fin de semaine, Manon et Francine contactent tous les corps de police et hôpitaux entre Chambly et Québec. Le lundi 21 juillet, 4 jours après le départ de Lynn, les deux femmes sillonnent l'autoroute 20. Elles s'arrêtent à toutes les haltes routières avec la photo de Lynn et la description de sa voiture, une Pontiac Sunfire noire, dans l'espoir qu'elle ait été vue. Le jour suivant, les deux femmes se rendent dans la vieille capitale, où elles rencontrent des enquêteurs du service de police de la ville de Québec. Elles apprennent alors que le véhicule de Lynn a été découvert aux abords du château Frontenac. Les contraventions trouvées sur le pare-brise laissent entendre que la voiture a été abandonnée. Les enquêteurs mesurent alors la distance qui sépare le siège du conducteur des pédales. Ils découvrent ainsi que Lynn, une femme de petite taille, ne pouvait pas être au volant de la voiture. Le jour même, les enquêteurs contactent Alain Perrault, possiblement la dernière personne à avoir vu Lynn Massicotte. Monsieur Perrault a donné comme version qu'à ce moment-là, Lynn était venue chez lui, qu'il avait fait l'amour avec, et qu'il était même embarqué dans son auto pour aller au restaurant, qu'il avait pris la place de conducteur dans l'auto de Lynn Massicotte, et que par la suite, après avoir fumé du pot, qu'il avait eu un mal de tête et qu'il avait décidé de ne pas aller au restaurant. L'angoisse monte d'un cran. Les deux femmes parcourent le quartier Limoilou et le Vieux-Québec, rue après rue, avec des photos de Lynn. On se promène avec nos voitures qui sont eux aussi placardées avec la photo. Dans le Vieux-Québec, tout partout. Tout partout où on était la bienvenue. Nous, on a mis des photos. Elles font même appel aux médias, qui manifestent aussitôt leur intérêt pour l'affaire. Je parle aux journalistes, j'ai tous les journalistes. Ils veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé, ils veulent savoir c'est qui Lynn, puis c'est qui ce fille-là, tu sais. Perrault doit maintenant affronter des journalistes qui font de lui le suspect tout désigné. Depuis jeudi passé, ça allait pas pire. Bon, je m'en faisais dans ma tête, là, ça m'inquiétait un peu, mais personne me harcelait, là. Ce matin, là, ça a été l'explosion. Francine et Manon décident de mettre davantage de pression sur l'homme et commencent à épier ses déplacements. Je me suis mal étudié, je me suis mis à le faire suivre. C'est vrai, j'ai toujours été légale. On se rend à Québec, on surveille, on lâche pas. Le 24 juillet, une semaine après la disparition de Lynn, un policier se présente à l'appartement d'Alain Perrault. Les enquêteurs, à l'époque, avaient obtenu un mandat général pour expertiser la scène de l'événement qui, selon eux, était chez M. Perrault. Donc, se sont présentés à sa résidence avec un mandat de perquisition et un mandat général. On cherche le moindre indice qui pourrait inculper Perrault et on saisit son ordinateur. Outré, il se dit victime d'une terrible erreur. Quand les policiers sont rentrés dans la maison d'Alain Perrault pour le perquisitionner, ils ont ramassé tous ses secrets. Ils ont ramassé la balayeuse aussi. Et effectivement, il y avait les cheveux de Lynn. Ça a certifié, ça a confirmé pour la police que c'est vrai, qu'est-ce que je leur racontais, que Lynn était allée là. Et on n'a rien trouvé de spécial là, suite à la perquisition concernant des éléments, des traces de sang ou des traces de sperme. Malgré les recherches effectuées, le mystère entourant la disparition de Lynn Massicotte reste complet. Où se trouve Lynn? Les policiers trouveront-ils des indices leur permettant de la retracer? Le 24 juillet 2003, à Québec, après une intense semaine de recherche, Lynn Massicotte reste toujours introuvable. Alain Perrault est le suspect principal, mais les enquêteurs ne détiennent aucune preuve contre l'homme qui leur offre toujours sa collaboration. Les proches de Lynn demeurent convaincus qu'il est responsable de sa disparition. Plus rationnel, les enquêteurs scrutent le passé de la femme dans l'espoir d'y trouver des explications.
Lynn Massicotte naît le 28 août 1959 à Montréal-Nord. Dernière d'une famille de 6 enfants, elle est choyée par ses frères et sœurs. Lynn et moi, on était de genre, on se regardait puis on se parlait. Vous savez, ce genre de magie-là qui se dégage des fois entre deux personnes de la même famille, on se regarde, on se parle. Elle était tellement prévisible, Lynn, elle était tellement cute à voir aller. Je devinais tout de qu'est-ce qu'elle, comment qu'elle pensait, comment qu'elle était pour réagir. Vers l'âge de 12 ans, le destin frappe. Lynn apprend qu'elle est atteinte de scoliose, une grave déformation de la colonne vertébrale. Les pronostics sont mauvais et les médecins sont impuissants. Lynn est condamnée. Il lui donnait 2 ans parce qu'en 2 ans, sa colonne aurait plié à 54 degrés de courbature. Fait que c'est sûr que là, à ce moment-là, tous les organes auraient été compressés. C'est pour ça qu'il ne donnait pas un grand laps de temps à vivre. Les médecins procèdent alors à une chirurgie dans le but de prolonger l'espérance de vie de Lynn. Ils fixent des tiges de métal à ses vertèbres. Elle est restée plusieurs mois à maison, plâtrée du coccyx au cou, dans un lit. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de service, tu te démerdais. J'en l'amenais sur le comptoir de la cuisine pour lui laver la tête avec maman. Puis le vendredi soir, ben, j'allais m'installer avec elle, puis on s'achetait chacun un chip et un coke, puis on s'assoyait ensemble dans son lit, et puis on regardait la télé. Défiant tous les pronostics, Lynn se rétablit avec succès. Elle sort aguerrie de l'épreuve et rien ne semble plus l'apeurer. Elle était tout le temps positive. Un petit bout d'entrain, une joie de vivre. C'était bien. Il n'y avait rien de compliqué avec Lynn, le moins possible. Hein? En 1985, alors âgée de 26 ans, elle déniche un emploi dans une grande banque. Candide et empathique, elle se fait rapidement plusieurs amis et semble tout particulièrement attirée par les gens plus vulnérables. Disons que Lynn, elle n'aime pas les gens qui sont laissés en arrière-plan. Fait qu'elle est portée à aller les chercher parce qu'elle est comme ça, Lynn. Hein? Elle va chercher le monde. Puis le monde, de toute façon, est attiré par elle, par sa, je sais pas, sa joie de vivre. On est attiré par elle. Puis justement, il y avait une fille, une légère handicap mental. Mais Lynn, c'était considéré comme son amie. Elle l'avait invitée à aller souper chez elle. Elle l'avait présentée à ses enfants. Lynn vit des moments de parfait bonheur. Les médecins lui avaient prédit qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant, mais la jeune femme en a décidé autrement. Elle avait le sourire facile. Moi, je ne l'ai jamais vue vraiment engagée, Lynn, là, ou choquée noire après quelque chose. Moi, je ne l'ai jamais vue comme ça. Fait que c'était pas quelqu'un qui était dur à vivre comme tel. En 1987, Lynn et son conjoint célèbrent l'arrivée de leur premier enfant. Et 4 ans plus tard, Lynn donne naissance à Catherine. Fait que toujours est-il qu'elle était très fière de ce qu'elle avait jusqu'à date. Puis ses enfants, c'était sa plus grande fierté puis sa plus belle œuvre qu'elle me le dit. En 1998, 7 ans après la naissance de leur fille, Lynn et son conjoint se quittent. Ils se séparent alors la garde de leurs enfants. Je pense que naturellement, ça s'est fait. Moi, c'était évident que j'allais avec ma mère. Je sais pas, peut-être parce qu'on est 2 filles. Dans les années suivant la séparation, Lynn trompe sa solitude en faisant de plus en plus d'activités avec sa sœur Francine et avec son amie Manon, qui est aussi chef d'une famille monoparentale. C'était comme naturel. On finit de travailler, on s'en va à la maison, on fait le souper, on voit est-ce que les enfants sont venus de l'école. Une fin de semaine sur 2, les enfants partaient chez le père. Puis la mienne aussi. Fait qu'on en profitait, nous, on sortait. Fait qu'on sortait souvent dans un petit bar à Chambly. On se ramenait les deux en taxi, le même taxi. La première débarquait le deuxième, puis on s'appelait pour se dire que, OK, c'est beau, on les deux. Moi, je la voyais rentrer chez elle. Quand j'arrivais, moi, chez moi, je l'appelais pour lui dire que la deux, j'étais rentrée. Là. Fait que c'était comme... On était prudentes sans savoir qu'il fallait être très prudent. Là. Mais je veux dire, on fonctionnait comme ça. En étudiant le passé de Lynn, les enquêteurs doivent se rendre à l'évidence et élimine la piste du suicide qui est toujours considérée dans les cas de disparition.
que fait en sorte que les enquêteurs éliminent cette piste-là, c'est le profil de Lynn Mascott, qui est un profil d'une dame qui était bien équilibrée, sans antécédent judiciaire, qui avait une bonne famille. Lynn a trouvé l'équilibre dans sa vie professionnelle et familiale, mais elle éprouve maintenant le besoin de vivre en couple. Elle me tenait au courant, mais t'sais, sans trop de détails. Elle me disait, maman, elle aimerait ça, t'sais, avoir quelqu'un, puis quelqu'un qui prend soin d'elle, puis t'sais, elle me parlait comme un enfant, mais en me tenant au courant, tu sais, mais sans plus. Au début de l'année 2003, Lynn décide de s'inscrire à un site de rencontre en ligne pour y trouver l'homme de ses rêves. Certains avantages, c'est que, bon, on fait ça à partir de la maison, on est chez nous. Deuxièmement, c'est pas très dispendieux non plus. Hein. Les services sont quand même assez abordables pour tous et chacun. Aussi le fait peut-être d'une certaine gêne de dire, bien, je vais faire affaire dans une agence de rencontre, s'il y a beaucoup d'anonymat. Lynn se donne le surnom de Philomène. Elle fait plusieurs rencontres virtuelles, mais ne passe jamais à l'étape suivante, faire connaissance en personne. Les gens vont échanger pendant des mois et des mois et des mois sans se rencontrer. Alors, si émotivement on est un peu fragile, que ce soit le monsieur ou la madame, il peut y avoir un certain attachement. Alors, on alimente. L'autre personne, elle est très contente de lire tout ce qu'on lui donne. Hein. Elle nourrit cet espoir-là, si on peut dire. Loin de se prendre au sérieux, Lynn laisse Manon s'amuser aux dépens de ses nombreux correspondants. On en riait. C'était juste comique. Dans le fond, ces personnes-là, on les connaissait pas, on les reverra jamais. Au cours du printemps 2003, Lynn fait la rencontre d'Alain Perrault. L'homme s'exprime bien et pique sa curiosité. Il y a des gens qui ont une facilité de s'exprimer, je pense, peut-être se méfier un peu des beaux discours, des belles histoires, d'écrire qu'est-ce qu'on voudrait lire. Ça aussi, c'est là, hein? Il y a des gens qui ont grand besoin d'amour. Alors, ce grand besoin d'amour-là, souvent, c'est ces gens-là qui vont se retrouver dans des positions un peu moins confortables. Il s'exprimait d'une façon, par écrit, qui était quand même, je vous dirais, très poétique. Si je me mets à la place de Madame Mascott, j'aurais été tenté de connaître cette personne un peu plus-là. Ils échangent pendant 2 mois, avant que Lynn décide de se rendre à Québec le visiter. C'était son anniversaire à lui. C'est la raison pour laquelle Lynn était descendue aussi, une des raisons. Et aussi pour aller aux fêtes de la Nouvelle-France, s'amuser. Parce que c'était une joyeuse, elle était bonne vivante, Lynn. Là. C'était une ricaneuse, là. Elle aimait ça, s'amuser. Et si Lynn Mascott avait tout simplement décidé de ne pas révéler tous ses plans à son amie et à sa fille? Si elle avait fixé des rendez-vous avec d'autres correspondants, serait-il possible que Perrault ne soit pas le dernier à l'avoir vue vivante? Après avoir éliminé la piste du suicide de Lynn Mascott, les enquêteurs se concentrent sur Alain Perrault, leur unique suspect, qui clame toujours son innocence. Peut-être qu'elle avait un deuxième rendez-vous. C'est possible. Elle n'avait pas à me le dire, puis c'est normal aussi. Là. Tu vas rencontrer quelqu'un, bon, peut-être que tu prévoyais que... OK, ça ne fitera pas avec lui, je vais en préparer un autre en cours. Sans éliminer cette dernière hypothèse soulevée par Perrault, les enquêteurs décident d'analyser de nouveau ses faits et gestes dans les jours entourant la disparition de Lynn. C'est alors qu'un détail de leur première rencontre avec l'homme leur revient à l'esprit. À la fin de la rencontre, M. Perrault donne une lettre à l'enquêteur Tremblay, une lettre qui était un courriel qu'il avait fait parvenir à Lynn Mascott le soir du 17 juillet. À l'effet qu'il la remerciait d'être venue à son domicile, mais par contre se demandait pourquoi il était parti si rapidement. Puis il était comme offusqué de ça, parce qu'elle n'avait pas donné de retour. Intrigué par le contenu du courriel,
les enquêteurs le font parvenir à des analystes de contrôle de la sincérité. Grâce au recoupement de différentes sciences, dont la linguistique et la psychologie, ils parviennent à déterminer si les déclarations sont issues de la mémoire ou de l'imagination de leur auteur. M. Perrault avait utilisé dans sa lettre des termes bien spécifiques. Entre autres, à un moment donné, il spécifiait à Lynn dans sa lettre qu'il la remerciait d'être venue chez lui, que c'était un beau cadeau de fête en avance, mais qu'il trouvait ça regrettable qu'elle était disparue aussi rapidement. Les experts avaient conclu à ce moment-là que le terme « disparu » voulait dire qu'on ne reverrait plus jamais Mme Mascott, qu'elle était probablement décédée. Perrault serait donc le dernier à avoir vu Lynn vivante. Des spécialistes examinent alors son disque dur qui a déjà été perquisitionné. On s'est aperçu qu'il y a des milliers de fichiers informatiques qui avaient été effacés dans le mois où Mme Mascott était venue à l'appartement de M. Perrault. Et au cours d'une longue période d'activité sur son ordinateur, jamais on n'avait vu M. Perrault effacer autant de fichiers. Les enquêteurs informent les proches de Lynn Mascott des progrès de leurs recherches. Mais le peu d'informations que leur révèlent les policiers impatientent Manon et Francine, qui décident de poursuivre leur enquête parallèle. On surveille, on lâche pas, on me sert de la police pour avoir des renseignements, on me sert des citoyens, on me sert des voisins, on me sert de tout le monde. OK? Puis là, avec tout ce que j'entends, puis j'apprends, puis OK, j'en arrive. OK, lui, je sais ce que genre de gars que j'ai à faire. Hein? Puis même la police, elle le dit, c'est incroyable parce que t'es... Il est fort, mais t'es plus forte que lui. Alain Perrault est né le 18 juillet 1962 dans l'arrondissement de Charlebourg, à Québec. Issu d'une famille de la classe moyenne, il grandit avec des parents autoritaires. On sentait une froideur incroyable, puis je sentais aucun amour. Jamais j'ai vu Alain embrasser sa mère, son père, le féliciter. J'ai jamais vu personne féliciter Alain. Jamais, jamais, jamais. Des encouragements, jamais non plus. Non, Alain s'est comme débrouillé tout seul à quelque part. Pourtant, Alain aurait pu être la fierté de ses parents. Rapide et brillant, il se distingue en effet très tôt des autres garçons de son âge, excellent dans des activités plus intellectuelles que sportives. Il y avait un petit côté intellectuel incroyable. J'ai montré comment jouer aux échecs. Alors, à ce moment-là, lui, il était, je vous dirais, captivé par ce défi-là d'apprendre les échecs, comment c'est que ça marche. Alors, comme moi, j'avais participé à certains tournois étant plus jeune, j'avais une longueur d'avance sur lui. Alors, je gagnais souvent. Alors, lui, il a fini à un moment donné par gagner aussi. Je donnais pas de chance, là, mais il finissait par gagner. Alors, c'était un jeune qui voulait apprendre puis qui voulait vraiment performer. Perrault aime relever des défis où la mémoire est en jeu. Il s'amuse, par exemple, à apprendre des séries de chiffres par cœur ou à réaliser des mots croisés dans un temps record. Mais les performances intellectuelles de Perrault n'ont pas nécessairement la cote auprès des filles qu'il tente d'approcher. Je crois au niveau des émotions affectives, il a vraiment emmagasiné un certain temps. Je ne sais pas si c'est dû à cause de son enfance qui fait que ça n'a vraiment pas bien marché. Il n'a pas eu cette chance-là en étant ado et il s'est toujours fait rejeter. Pas dans le sens que je veux rien savoir de toi, on a essayé un soir. Non, du tout là. C'est même pas un seul approche. Rien. Zéro. Alors lui, sur ce côté-là, il avait aucune chance. Même parler avec une fille, c'était très douloureux. Alain est si gêné devant les filles qu'il en perd tous ses moyens. À un moment donné, je l'ai emmené voir une fille. Et puis, c'était vraiment catastrophique. Les filles me disaient tout le temps non. Non, un caractère, elle donne pas. Même si Alain ne parle pas, son attitude marchait pas. C'est à cette époque que le tempérament de Perrault commence à changer. Si on lui demandait de répéter, son intonation, son attitude changeait, mais carrément. Il n'y avait plus la même attitude. Vous aviez le doigt à une prise. À la deuxième prise, c'était très sévère, là. La troisième prise, ça l'a pas bien. Alors oui, il vous le montrait gentiment le premier coup. Le deuxième coup, il y avait peut-être quelques mots plates à travers ça, mais il n'y avait pas de troisième coup. Impossible. Il était intolérant.
Perrault semble de plus en plus se passionner pour des activités qui le coupent du reste du monde. En 1980, il obtient un emploi de croupier. Mais ses patrons le congédient seulement quelques jours après l'avoir embauché. Ça me démontre qu'on peut être très intelligent dans un domaine, puis carencé dans un autre. On a affaire ici à un individu qui est décrit comme très intelligent au niveau informatique et qui est capable d'aider les autres, de comprendre rapidement les problèmes. Mais d'un autre côté, tellement malhabile au niveau social, incapable de s'entendre avec qui que ce soit, perd son travail, colérique. En 1991, malgré sa grande maladresse à établir des relations avec ses pairs, Perrault rencontre une femme qu'il réussit à séduire. Ils tombent aussitôt en amour et emménagent ensemble la même année. 7 ans plus tard, en 1998, la conjointe de Perrault donne naissance à une fillette. Tout le monde a des aspirations dans la vie. Tout le monde rêve d'une vie idéale. Puis dans une vie idéale, bien, on réussit au niveau professionnel, on réussit au niveau individuel, on réussit au niveau social, familial. Le fait qu'on ait des gros problèmes de personnalité n'enlève pas qu'on recherche cet épanouissement-là dans les différentes sphères de la vie. En 2000, le couple se sépare. Mais Perrault garde des contacts avec sa fille, qu'il accueille une fin de semaine sur deux. Jamais j'aurais pu comprendre que Alain soit un jour avec une femme, puis avec qui a aussi un enfant. C'est pas logique de tout ce que j'ai vu. Lui, il avait vraiment une intolérance là, mais absolue sur ce côté-là. Et quand j'ai appris qu'il y avait une femme avec un enfant, la première chose que je me suis dit, non, ça se peut pas là. Il y a quelque chose qui marche pas quelque part là. Après la rupture, Perrault se tourne vers les sites de rencontre pour trouver l'âme sœur. Il passe plusieurs heures devant son écran. Il séduit des femmes avec lesquelles il réussit parfois à passer à l'étape de la rencontre en personne. C'est l'outil idéal pour des personnes comme ça. Parce que d'un côté, ça met en évidence leur qualité. C'est des gens intelligents, à la répartie rapide. C'est des gens qui sont froids, donc qui ne sont pas pris dans toutes sortes d'émotions. Donc, ils peuvent vraiment réagir là, très bien. C'est des gens qui sont capables aussi de se mettre un peu à la place des autres. Savoir, c'est des gens qui développent des qualités pour être manipulateurs. Qu'est-ce que l'autre veut entendre? La réalité pour eux étant pas qu'est-ce qui est la vérité, mais qu'est-ce que l'autre veut entendre. Ça prend du temps avant de connaître quelqu'un. De donner notre confiance à quelqu'un, c'est pas gratuit. Alors, le manque d'objectivité dans ces relations-là, souvent, ça va nous amener sur des voies ou des pistes qui vont nous faire vivre des émotions très désagréables. Mais les femmes qui acceptent les rendez-vous de Perrault déchantent rapidement. Elles ne reconnaissent pas l'homme dépeint dans les messages et mettent fin à tout échange, évitant de justesse ses colères. C'est quelqu'un qui est extrêmement narcissique, extrêmement sensible. La moindre remarque, la moindre frustration peut déclencher des colères vives. Donc, c'est un individu, habituellement, ces gens-là, tant qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent, tant qu'on les valorise, qui vivent pas trop de colère. Mais c'est des individus qui peuvent exploser à la moindre frustration. Francine, la sœur de Lynn Massicotte, n'a pas peur de Perrault et le talonne sans relâche. C'était la guerre des nerfs. C'est lequel des deux qui lâcherait le premier, quelque part. Mais moi, l'acharnement que j'avais, c'est la vie qui a fait que je l'ai eu. Tandis que Francine poursuit sa propre enquête, les experts en informatique continuent leur travail. À l'aide de logiciels spécialisés, ils récupèrent d'autres fichiers supprimés, révélant des informations terriblement incriminantes. Après avoir découvert le contenu des fichiers informatiques qu'Alain Perrault avait pris soin de supprimer de son ordinateur, les enquêteurs pensent avoir trouvé des preuves contre leur suspect. Et on a trouvé qu'il avait consulté des sites la veille concernant des viols et concernant des agressions sexuelles sauvages et qui avait consulté le lendemain de la disparition, il avait consulté des sites de meurtres au premier degré et des meurtres suivis d'une agression sexuelle, puis il avait consulté les sites de disparition là, la journée d'après. Là. Les enquêteurs passent à l'offensive.
Il demande à Perrault de passer le test du polygraphe, mais il refuse. Ça compte pas en cours, première chose. Deuxième chose, c'est pas exact à 100%. Puis troisième chose, moi, je peux te poser des questions, puis je vais te faire mentir à 100% du temps. Le refus de Perrault renforce les soupçons des policiers, qui ne peuvent cependant pas l'obliger à passer ce test. Le 19 août, plus d'un mois après la disparition de Lynn, ils arrêtent Perrault dans l'espoir que leurs experts en interrogatoire parviennent à lui soutirer des aveux. Mais lui, sa version, c'est la même qu'il donne depuis le début et il décide de la maintenir. Donc, les enquêteurs, au bout de 12 heures d'interrogatoire, n'ont pas d'autre choix, parce qu'ils n'avaient pas eu d'aveu à ce moment-là, de remettre Alain Perrault en liberté. Les procureurs de la Couronne craignent qu'advenant un procès, l'homme soit acquitté faute de preuves le liant directement au meurtre. Comme un procès ne peut être tenu deux fois pour les mêmes accusations, les enquêteurs doivent s'armer de patience. Pour Perrault, c'est l'heure de gloire. Alain Perrault pensait s'être sorti de ce dossier-là et donnait plusieurs entrevues aux médias. Chaque fois qu'il en avait l'occasion, à chaque date d'anniversaire, ça refaisait surface, donnait des entrevues et lui-ci se pavanait dans la rue puis rejetait le blâme sur Lynn Mascott. Et l'opinion publique pensait bien que le service de police puis l'enquête était terminée à ce moment-là, qu'on ne pouvait plus rien faire. Les enquêteurs devront attendre 6 ans avant de mettre sur pied une opération qui leur permettra de faire comparaître Perrault devant la justice. Ces longues années sont insoutenables pour les proches de Lynn Mascott. Je ne mange plus, je ne bois plus, je pense rien qu'à ça, puis qu'est-ce que je peux faire, puis OK, on va aller faire du tapage là-bas encore. Je retourne là-bas, je refais des tapages, je refais du tapage en ville. Faisons me parler de tapage, là. Je refais mon show encore. Là, les journalistes embarquent avec moi. En janvier 2009, les enquêteurs du SPVQ se réunissent avec les dirigeants de la Sûreté du Québec pour évaluer l'épineux dossier d'Alain Perrault. Par la suite, de nombreuses réunions s'en ont suivies pour mettre en branle, bien entendu, une dizaine de mois plus tard, le projet d'infiltration majeure, qui est un projet où on amène un individu à entrer en confiance avec certaines personnes et, bien sûr, dans le but d'avoir des aveux de sa part et que cette personne-là vienne à dire la vérité. Les enquêteurs s'unissent à des agents d'infiltration de la Sûreté du Québec et de la Gendarmerie royale du Canada. Ils mettent sur pied une opération au nom de code Mr. Big. Ils inventent de toutes pièces une fausse organisation criminelle dans laquelle Perrault montrait les échelons. Mais leur plus grand défi reste d'entrer en contact avec l'homme sans éveiller ses soupçons. Si quelqu'un demandait là, il était plus difficile à dire « Va t'acheter une montre, puis j'ai pas d'affaire à toi. » Donc, M. Perrault n'a pas été facile d'approche, mais c'est un travail qui est long, qui est fait de façon acharnée. Et les enquêteurs n'ont pas lâché pour mettre Perrault en confiance. C'est d'ailleurs le but de l'opération d'infiltration. Amener Perrault à être en confiance avec ces gens-là. L'opération comporte divers scénarios où Perrault doit démontrer qu'il a les compétences nécessaires à la pratique d'activités criminelles. Les policiers ont joué sur le narcissisme de l'individu en lui disant « Prouve-nous que t'es bon, montre-nous que t'es quelqu'un, montre-nous que t'es capable. » Ils ont fait venir quelqu'un qui était vu comme très influent, comme très imposant. Puis on sait que les narcissiques peuvent être impressionnés par les personnes qui vont admirer et ils veulent les impressionner. Il est tombé dans le piège directement. Après 4 mois, l'opération tire à sa fin. Perrault est présenté au grand patron, un agent double. S'il veut faire partie intégrante de l'organisation, il doit avouer ses crimes passés. Il est alors questionné sur son implication dans la disparition de Lynn Mascott. Vous êtes le premier à savoir ce qui est passé pour vrai. Ben, c'est pour ça qu'on est ici. Je sais, mais... C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Parce que c'est la première fois que je dis à quelqu'un. OK, mais tout ce qu'on dit ici, ça reste ici. T'as pas d'affaire à parler de ça, là. J'ai jamais parlé à personne de ça, c'est correct. Vous savez, pour des satans, ils m'ont jamais arrêté. Non, ils ont tout essayé, puis ils ont cherché des points. Mais... Le 17 juillet 2003, vers 18h, Perrault est impatient de voir Lynn Mascott pour la première fois en chair et en os.
Lorsqu'elle entre chez lui, la discussion s'oriente rapidement autour de relations sexuelles. Perrault tente un rapprochement, mais Lynn repousse ses avances. Mal à l'aise de me laisser séparer. Frustré, il plaque Lynn contre le mur et la saisit par le cou. La femme ne peut rien devant la force de son assaillant et meurt asphyxiée. Le récit est à glacer le sang, mais l'agent double doit obtenir le plus de renseignements possible. Il n'y a pas eu un sang. J'ai vu jusqu'au lit. Ok. Vous avez un peu. Toujours malheureusement avec une main. Perrault transporte son corps sur son matelas pour avoir une relation sexuelle. Mais il en est finalement incapable. Perrault ira-t-il jusqu'au bout de son horrible récit? Après des années d'attente à chercher le moyen d'extirper des aveux à l'homme, le moindre faux pas de l'agent double pourrait faire avorter l'opération. Le 11 janvier 2010, l'opération imaginée par différents corps policiers pour obtenir les aveux d'Alain Perrault sur le meurtre de Lynn Massicotte entre dans sa phase finale. Le meurtrier livre avec détail le récit de la soirée du 17 juillet 2003 à un agent double qu'il croit être au sommet d'une grande organisation criminelle. Certain d'impressionner le patron de l'organisation, Perrault raconte que vers 22h, il a reçu un appel de Francine Massicotte, la sœur de Lynn. D'abord stressé par les questions de la femme, il a pensé à utiliser la situation à son avantage pour se débarrasser du corps de sa victime. Perrault a mentionné à Francine qu'il ne savait pas c'était quoi l'auto de Lynn Massicotte. Et lui a demandé, Francine lui a décrit, s'achète un Pontiac Sunfire noir, tel type de modèle, les portes aussi. Et M. Perrault avait pris ces indications-là sur un petit papier à côté de son téléphone en notant bien ce que Francine lui disait. Maintenant en mesure d'identifier la voiture de sa victime, Perrault l'approche de la fenêtre de son appartement. Il réalise alors que le coffre est plein. Transporter le corps jusqu'à la banquette arrière de la voiture l'expose davantage. Mais Perrault n'a pas d'autres options. Sans perdre son sang-froid, Perrault passe le corps de Lynn par la fenêtre de son appartement. Il dépose la dépouille sur la banquette arrière et s'installe sur le siège du conducteur. Pour ne pas se faire remarquer, il éteint les phares. Pour s'assurer que Perrault n'est pas en train de mentir dans le but d'intégrer la bande criminelle, l'agent double lui demande des détails que seul le meurtrier de Lynn Massicotte pourrait connaître. Dans derrière la voiture. Mais moi, je connais ma sœur. Je savais qu'elle trimballait l'équipement de pêche. Je savais qu'elle avait une pelle. Je savais qu'elle avait une boîte. Je savais qu'elle avait son petit kit d'urgence. Quand il a dit qu'il a ouvert le coffre qui était plein, ben c'est comme s'il avouait que c'était lui. Il n'y a personne qui savait. Il a dit des choses que seuls les enquêteurs savaient et nous, on savait. Lors de l'interrogatoire dans la technique de Mr. Big, M. Perrault avouera qu'il est allé disposer du corps de Lynn Massicotte sur la rive sud et qu'il a descendu sur les battures du fleuve, qu'il a vu un petit poste électrique, qu'il a sorti le corps de l'auto, qu'il a descendu le corps sur les battures et qu'il s'est disposé du corps de Lynn Massicotte à cet endroit-là. C'est juste déposé là, tu l'as lancé? Non, je l'ai enlevé de la dedans. OK. Je l'ai laissé descendre un petit peu là. Je l'ai en bas, je l'ai enlevé plus loin. Okay. Mais malgré les précautions qu'il prend, Perrault néglige quelques détails.
Il y avait eu de la terre de retrouver sur les roues côté passager. Cette terre-là avait été analysée par un laboratoire à Québec et nous avait démontré que ça provenait du bord du fleuve. C'était des traces de terre rouge. J'ai pris son auto. Il avait assez du neige. Il avait mis comme d'une doudou pour l'homme. C'était ça. Je n'ai pas pris son auto. Suite à ces déclarations, Perrault croit être monté dans l'estime du grand patron. Il vient en fait de fournir aux enquêteurs les éléments qui le placent hors de tout doute comme étant le meurtrier de Lynn Massicotte. Cette même soirée-là, je procéderai à son arrestation au terminus d'autobus de Sainte-Foy pour l'amener à la centrale du Parc Victoria pour qu'il soit interrogé encore une fois pour savoir et comprendre pourquoi il avait posé ce geste-là à l'époque. Mais M. Perrault n'a pas fait d'aveu là, supplémentaire là, lors de cet interrogatoire. L'arrestation de Perrault réjouit les proches de Lynn Massicotte et les enquêteurs qui, pendant 6 ans, n'ont jamais perdu espoir. Le lendemain, ils sont venus me chercher, puis ils m'ont expliqué un petit peu qu'est-ce qu'ils avaient fait. Il y avait 4-5 enquêteurs qui avaient travaillé sur ce cas-là, en cold case, là. Puis c'était quasiment, c'était juste, ils ne broyaient pas tellement qu'ils étaient contents, fiers de leur travail. Moi aussi, j'étais bien fière. J'étais très fière. Le 17 janvier 2011, le procès d'Alain Perrault s'ouvre au Palais de justice de Québec. Il plaide non coupable à une accusation de meurtre au premier degré. Perrault espère voir l'enregistrement de ses aveux retiré des preuves fournies par la Couronne. Il prétend avoir fait ses déclarations sous pression. Mais la requête des avocats de Perrault est rejetée par le juge. L'intégralité de ses confessions est finalement montrée aux membres du jury. Le 11 février, les jurés rendent leur verdict. Même si on est convaincu, nous, hors de tout doute, qu'il devrait être déclaré coupable du meurtre au premier degré, on reste toujours avec un certain stress que quelque chose que les jurés n'ont pas compris ou qui a été mal expliqué à la cour. Alain Perrault est déclaré coupable de meurtre au premier degré. Il est condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération avant 25 ans. Un mois plus tard, le 9 mars, les avocats de Perrault tentent de faire renverser le jugement. Près de 2 ans plus tard, en mai 2013, la cour d'appel se prononce toutefois en faveur du verdict préalablement rendu. Le meurtrier devra purger sa peine. Mais Perrault n'a pas dit son dernier mot. Le 16 août 2013, il demande à la Cour suprême de casser le jugement. Il est à ce jour toujours en attente d'une réponse. Je pense souvent au fait de comment ma vie elle aurait évolué si elle serait encore là, si j'aurais pas déménagé de Chambly, si j'aurais eu encore les mêmes amis, si elle aurait été là pour me montrer toutes les affaires de femmes, toutes ces affaires-là, tu sais, toutes les choses qui m'ont manqué, je pense souvent, ouais, tous les jours. Mais mon deuil est fait. J'ai plus envie de pleurer. Tu sais, c'est sûr que des fois je trisse encore, ça me fait de la peine, mais je pense que c'est quand que le verdict qui a été donné, sentence coupable, là, je pense que ça, sans le vouloir, sans m'y attendre, sans rien, ça le clôt quelque chose. Tourner la page. La réflexion que j'ai là-dessus, c'est que c'est pas la faute d'un site de rencontre qui fait qu'un homme commet un acte de cette sorte. Ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. Les rencontres sur Internet ne sont pas nécessairement dangereuses. Mais il faut respecter certaines règles. S'assurer d'avoir laissé les détails du rendez-vous et surtout, le tenir dans un endroit public. Les précautions prises par Lynn et ses proches auront au moins permis d'identifier Alain Perrault et de mener à son arrestation. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir ?